nous avons proposé un avant-projet de loi sur lequel nous devions faire en sorte que l'investissement puisse être fait et que le travail de la terre soit attractif et que nous puissions inciter et les jeunes et les femmes et toute personne qui serait intéressée à investir dans l'agriculture et Grand A, qu'il y ait des facilités, qu'il y ait des possibilités afin que nous puissions promouvoir le développement rural, afin que nous puissions aussi faire en sorte que dans le développement rural, on puisse avoir une valeur ajoutée et faire en sorte que notre économie puisse grandir. On va mettre un dispositif qui permette à ce que ceux qui veulent travailler la terre, on leur donne des facilités. Il y aura des exonérations pour ceux qui voudraient entreprendre pour la première fois dans la terre. Il y aura des possibilités d'accompagnement. Parce que vous savez bien que déjà au niveau gouvernemental, la décision de créer une banque agricole a été prise et cette banque agricole verra jour d'ici là. Donc c'est pour un accompagnement, un encadrement de tous ceux qui voudraient investir dans le monde rural. D'ici la fin de l'année, nous devons pouvoir avoir cette loi adoptée.